passer sur TMTD. Je suis désolée vraiment. Je vous demande mes mille excuses. J'ai pas pu être avec vous, mais je vous laisse un message. J'ai 10 ans. Le 2 mai, j'ai eu 10 ans. Je suis en classe de CE2. J'ai eu, grâce à un des films géniaux, j'ai eu un film. C'est là qu'ils m'ont vu. Et j'ai fait l'émission 7 à 8. Et après, je continue. Je suis descendue en Algérie. J'ai fait l'émission Mazal Hal et je continuerai avec C'était un peu plus compliqué avant quand j'avais la maladie. J'avais la dialyse, c'était dérangeant pour me débrancher. J'étais parfois un peu en retard et tous les matins quand je me réveille, je vomis. J'ai des vomissements. Et j'avais un tuyau qui s'appelait le GABA et il y avait plein d'enfants qui venaient vers moi et ils me disaient c'est quoi ça et ça me dérangeait un peu. Mais maintenant, alhamdoulilah, c'est bon, c'est parti. L'épreuve, c'est Allah subhanahu qui me l'a donné, je le remercie. C'est pas qu'il m'aime pas. C'est quand il m'a donné cette maladie, ça veut dire qu'il m'aime encore plus. Je pense comme les autres enfants qui ont des maladies. Je vais pas citer toutes les maladies, mais il y en a que Dieu ne les a pas donné sa maladie pour rien, pour faire un décor ou je ne sais pas. Il les a donnés parce qu'ils les aiment, pour voir s'ils ont le courage ou pas. Moi j'ai eu le courage, Dieu m'a permis de guérir, j'ai fait l'opération et tout. Mon conseil c'est de jamais baisser les bras, il faut toujours avoir le bras levé, il faut jamais baisser les bras, il faut croire en Dieu. Merci beaucoup pour ton témoignage, Imad. De rien.